Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Nous demandons pour que la police, les CPJ, ministre justice, commissaire gouvernement, puis très vigilant par rapport avec un plan macabre que on secteur en donne qui dit soi-disant opposition yo a mitonné pour 1er 2 3 novembre et plan ça li relé cette douleur. Opération 7 douleur. En dans opération 7 douleur, il y a en dans opération Magédon. Qui stratégie monsieur a employé? Il a gagné des plaques service de l'État. Je ne vais pas plaque service de l'État, puis je ne vais pas changer parce que je travaille avec la police pour être capable de vérifier plaque service de l'État. Il a gagné, il a fait 50 uniformes IDMO. Mais l'uniforme de Moyofer, lui-même, il n'a pas gagné le logo de Marron. Son façon pour nous, ou après la police, il n'a pas vu dans la machine. La police qui seulement marqué police, mais pas gagné plaque. Il y a une façon pour nous dire que c'est la police qui tire sur eux. Mais pourtant, c'est propre policier par eux qui ont fait en dans l'équipe là. En dans le groupe là, il a gagné des gens qui ont planifié, qui ont gagné pour gagner l'uniforme du Népal. Ou capable de faire ça là où on moun frappe barrière ou on équipe frappe barrière et vous pensez c'est dîner pas c'est pas dîner pas c'est uniforme dîner pas avec du moun yo besoin tu ayon tu tuer moun nan c'est là moun yo finalé ou qu'attendait te gen balte gen moun qui mouri en dedans ça veut dire son plan ça n'est cap mitonné plan li gen ensemble de moun la dan mais parmi lesquels moun cap coordonner plan c'est un commandant qui relé commandant Moïse Daniel Maslin alias commandant Moïse. Dans le mouvement, ça a ligué trois Colombiens que yo fait rentrer qui ont capable d'entraîner moun. Et centre d'entraînement, c'est Katia Morin dans au Cap qui n'a fait centre d'entraînement. Nous avons ensemble de photos moun sa yo et côté yo prend batte. Mais en dedans, c'est que son parti nan nèg politique. Pendant ce temps, il y a négocié avec le président Jovenel Moïse, mais il y a l'autre bagage qui a planifié pour aboutir à des grands événements pour montrer que vous-même vous êtes de bonne foi pour parler, alors que il y a l'autre groupe, bras armé qui travaille. Or, bras armé, ça, moi identifié, moi j'ai plaque machine, j'ai une plaque service de l'État, et nous avons machine des sénateurs qui nous prend photo plaque pour nous montrer le pays. Nous gagnons. Mais ce qui est bizarre dans la question, c'est que il y a un rat de paille qui a mangé paille. Il y a un qui croit que si Jovenel tombe, c'est lui qui a venu remplacer Jovenel. Je ne vais pas me cacher. Le premier ministre Jout connaît tout ça, m'a expliqué là. Il connaît. Et le ministre Justice là connaît. Et je me rappelle que j'ai fait une conférence en date 16 juillet 2020. Je fais une déclaration, je dis que nous avons mis ton plan, il y a pile de monde qui va le tuer, qui m'a dit là. Je dis qu'il y a pile de monde, il ne nous pas attendre. Il a planifié des bagailles pour tout le monde et puis la guerre sous deux Jovenel. Mais je ne vais pas citer nos gens, je ne vais pas dire, mais quand tu es telle réunion faite, mais ça qui est certain, toute autorité qui doit avoir des informations, mba ou plaque machine, mba ou réunion côté réunion fait, mba ou côté hôtel, mba ou qui policier, qui type de policier, qui n'a pas de pour mener telle opération, qui côté tel. Jout qui était tout fait. Moi-même, c'est ça que fait. Dans la conférence nous matin, hein, comme président, en pour parler avec des partis politiques pour former un autre gouvernement, moi-même, nous souhaitons que ça. Pas tarder pour gagner des décisions, des pourparlers exacts, francs, réels, pour qu'on décision quoi, pour qu'on l'autre gouvernement.
Parce que bataille qui gagne là, gagne même à plus haut niveau en de gouvernement Jovenel Moïse qui a boumé contre lui. Mais conséquence là, il n'est pas pour seulement président Jovenel, il est pour pays à tout. D'ailleurs, premier bagage, je fais, joute pas, c'est comme si son sanction, la précontre tout nègre qui te participé dans l'opération de l'autre pays. Parce que moi-même, je suis allé jouer dans la bataille pour de l'autre pays. Président Jovenel, je suis allé jouer. Je viens là, en 25, il joue, il cherche, d'ailleurs, il bien dit lui-même. Mon numéro est dans le téléphone, c'est ISO, c'est il appli, c'est mon saoul relé dans le téléphone. C'est avec eux le parler. Mais tout le monde qui t'a goûté pour permettre pays à de l'autre, pour permettre stabilité arriver là, ou de mettre fait de même, même quand c'est bandit, nous t'a remis, ils prennent bandit, ils hein, mettent dans une situation, puis ils resserrent pour qu'ils vivent le monde, parce que c'est l'État qui permet, je dis, à pays à côté de là. Mais c'est Rico, non de tout n'agapé, c'est Rico qui crée le kidnapping Bel Air. Tout le reste, tout le monde connaît, Rico prend la rue depuis en 2004. Nous mettons à regarder YouTube, sur YouTube, quand tu fais déclaration ça. C'est gardez-moi, ouais. Pendant que vous besoin de craser le Parlement avec Don Kato, c'est jour ça, vous prenez Rico. Rico passe mandat préval. Il n'a pas jamais pris la vie. Il fait mandat Martelly. Il n'a pas jamais qu'à sauter. Il a demi-mandat Jovenel. Puis vous crasez le Parlement et puis vous descendez avec vous. C'est un homme que tout le monde connaît qui a inventé l'opération Bagdad. Il a dit tout le monde a dit. Vous comprenez? Etc. Ça veut dire ce pays, monde de bien. Il y a fort tourner vacabon et puis il y a fait vacabon tourner monde de bien. Je connais, moi j'ai des bagages qu'on fait dans le système ça, dossier, moi greffier qu'on prend dossier moi, je prends l'autre avocat mettre là-dedans. Moi on a travaillé pour des clients depuis CSP, depuis DCP, je m'a pas accompagné client Batnaï et puis ou aller na passer dans parquet, on fait wicket, ou assister client qui avait des discussions pendant plusieurs fois en tant qu'avocat. Client beaucoup même moi avance de nous parce qu'en tant qu'avocat parfois ministre forcé, on monde qui dans prison qui constitue moi même personnellement, m'a dit là mon cher beaucoup qu'on m'a faire pour. On commencer travail, mais les constats pour moyen pour ou prend risque dans la rue ou pour qu'on dans des CPJ ou travailler une heure du matin, deux heures du matin on dans des CPJ toujours après ça va accompagner mon ça n'a pas que demain après demain ou dans le cabinet d'instruction un jour matin on greffier qui prend un avocat 11 ans mais l'avocat qui a passé il fait venir assister mon et puis le bon m'élever j'ai la balle on m'élever et puis l'on paraît c'est le temps d'autant de mon ça même mon client lui même des mauvaises voies pas même l'eau même comme vous pas de rien pour lui la garde ou garder les ou même ou livrer à ou même ou dépenser énergie ou dépenser quoi ou travail donc ou pas toucher. Donc, le système n'a qu'un salaire, et vous faites ça tout le temps. Moi-même, parfois, je me pose. Donc, vous songez, dernier, ça me prend dans le dossier, mais Godson Aurélis, c'est Marc, vous songez. DG Godson Aurélis, avec un juge, il était le DSL numéro 1, qui a besoin de faire asile politique. Vous songez, on est quoi? Ça veut dire que, je me bats trop, le fait que vous soulevez, ça, l'équipe a fait, ça bien dérangé. C'est ça que fait maintenant. Les CSPJ rentrent, ils font ça. CSPJ, par contre, son rôle de thérapeute, son rôle de psychologue, ça, CSPJ fait là, il n'est pas rendu compte. C'est quand on fait noir, non obscurité, nous y est, on a plongé, descend, non tout s'en fond, t'as que les descentes aux enfers, là, en français. Et puis, c'est CSPJ glisse son petit code, on te échelle, il dit qu'on te espoir, toujours, il monte, il mienne, on fait noir. Ça, c'est comme ça, moi, lui, son espoir créé. Mais c'est pas jeudi, on a dit comment la justice est créée. On souvient, on bagage qui est important, un ascenseur que nous besoin pour nous redresser la société, pour nous apprendre à prendre route, c'est la justice. C'est lui-même qui, pour tout bagage bandou, qui a fait ça, ouvre les jeudi, impunité, c'est la justice. Or, en dans la justice, comme dans le système judiciaire, en dans l'avocature, comme dans la justice système judiciaire, ou pas qu'on pas qu'il délinquant. Et puis maintenant, absence de punition fait que chaque jour, impunité, fait chaque jour, le nombre de délinquants va augmenter. Et c'est alors que c'est ce genre qui a des instances modèles. Donc, pas jamais dans des sanctions. Donc, c'est vraiment, comme la Bible dit que parfois, les simouns n'ont pas parlé, ou n'ont pas parlé. Donc, par contre, comment le CSPJ a fait arriver là. Mais ça a vraiment, ça a créé espoir. Et ça permettre ces SPG lui-même expliquer à faire monde commencer par prendre au sérieux parce que j'étais trop décrié tout le même. Donc moi-même tu as reproché le système là à tous les niveaux et m'a reproché le système là des monde qui dans gros poste gros fonction l'état que peuple a payé à taxe yo refusé prendre responsabilité yo. Mais là on prise de responsabilité commencer prendre mais moi-même un peu satisfait moi ils sont espoir yo créer son espérance je dis espoir faire vivre qui l'ont satisfait là et non ça bon et les SPG tenez bien moi ça a aussi SPG retiré dans le système là, mais comme bien content équilibre là, il y a 25 magistrats à moins quoi qui a créé, donc c'est clair, c'est propre, mais il y a 19
CSPJ dit que c'est délinquant, oui. Juste ça, c'est délinquant et il n'y a pas dans le système là encore. Mais prenez bien, pour CSPJ arriver là, c'est dans certification, dans un processus de certification qui est là. C'est dans la liste, il y a une liste des magistrats non certifiés. Et CSPJ, il y a non, il y a une dernière fonction occupée, affectation, il y a un rôle, et puis il y a un motif qui fait expliquer. Un étudiant en droit, capitaine de là, juge magistrat, capitaine de là, autorité internationale, capitaine de là, à tous les niveaux, tout le monde. Chef de motif qui fait que il y aurait tiré magistrat ça dans le système n'a pas certifié là, c'est des motifs graves et toutes ces infractions graves. Puis bon, bien qui donne moral, mais bien ces infractions qui réprimées par le code pénal. Parce que ma garde là, première, il y a une première, il dit c'est licence faux, licence en droit. Pour n'être qui courage, pour faire faux licence, ou faire faux usage de faux. Et c'est CSPJ qui mène enquête, c'est le résultat enquête CSPJ mène équipe li, inspection judiciaire, la preuve l'a établi déjà. Quel monde ne prend pas pour servir de soutenance faux, un juge qui est de prendre décision contre un contour, qui fait l'argent, qui fait mon, non seulement monsieur fait faux usage de faux, mais il faut pas qu'il abus avec autorité de gagner là, qui font des sous faux. Et il ne prend là, il prend pour rançonnement des justiciables, mes amis. C'est-à-dire que monsieur prend comme mon, il va mon chantage, il fait bagaille. Quel il prend pour abus d'autorité, toutes ces infractions. Quel il prend détournement d'une citerne remplie de gaz, d'essence. C'est-à-dire vol. Pour un magistrat, mes amis, pour m'a tremblé. Pour nous, c'est juste, oui, pour nous voler une citerne de gaz. Et c'est pas l'accusation que nous avons dans la radio cette fois, dans les réseaux sociaux. C'est SPJ, auto-grand pouvoir de l'État, dans la justice, dans le plus haut niveau, qui dit juste ça, voler une citerne de gaz. Abus d'autorité, même juste ça. Je dis que monsieur a les revolvers, son avocat, dans le bureau, mes amis. Menace de mort, même ZAM, ça, il va regarder si ZAM, ça, illégal, il va détention illégale. Donc, même juste ça, commettre un paquet d'infractions. Est-ce qu'on va contenter, on continue, est-ce qu'on va contenter seulement ou de retirer Mounda à la Cali, continuer à compléter son rançonnement, dans le vol là, pour continuer à jouer, lui prendre à la plage, à la mer. Rançonnement des justiciables, disparition des dossiers. Dans le dossier, mettre devant là, et même ça, disparition des dossiers. Instrument, je dis, c'est instrumentant en dehors de sa juridiction. M'sais juridiction nationale, il est allé. Bac 2, faux. C'est-à-dire, m'sais fait faux, il a été faux, on l'autre. Falsification des diplômes de licence en droit, rançonnement des justiciables, on l'autre. Déguerpissement des citoyens sans jugement. Voix de fait, il est ça. Habit d'autorité, voix de fait. D'avoir violé, décrié d'avoir violé une mineure, mes amis. Son juge qui garante pour protéger, doit protéger mineur, c'est lui-même encore. Et c'est pas accusation ça, non? C'est SPJ oui, qui dit, en fonction des dossiers, au traité, il y a pour monsieur fait ça qui établit, oui. Toutes les fractions établies. Oui, mais les affaires avec les gens, oui. Soutenance non retrouvée. Pour savoir les soutenances non retrouvées dans les archives, faux. Avoir et aveu. Dans les bérits, magistrats fait aveu d'avoir reçu des pots de vin. C'est infraction pénale. Je viens avec votre bagaille. Disparition des bœufs, des bœufs des paysans. Vol les bœufs. Oui, 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 on dit bagaille en français. Disparition des bœufs. Vol les bœufs. Vol les bœufs. Mes amis, on juge une agonie. Qui est dans le bœuf là. Mais mouvement tu sauver. Ah, puis ça est beau sauver. Mes amis, détournement du corps du délit. À ma feu. La continue. Monsieur, intérêt, prise d'intérêt dans le traitement des dossiers, conflit d'intérêt, abus d'autorité, toutes ces infractions, implication de la signature des jugements déclarés inexistants, crime, la fond jugement qu'il ne faut pas exister, confiscation, utilisation des corps du délit, crime. Donc maintenant, on a l'autre qui dit qu'association avec des délinquants notoires, mais quand il commence à expliquer que la conférence est brodée, alors qu'il néglige l'association des malfaiteurs, il y a la relique. On va comprendre la justice qui a fait ça, il fait mal, mais là, l'association des malfaiteurs, il dit, infraction, rançonnement, juste justice, on juge lui, qui est à la boutte là-bas, même juste avec égaler les revolvers sous commissaire du gouvernement, parquet, chef parquet, côté de la bagaille, même juste là. Procès verbal de soutenance des diplômes faux, je dis, mais très décrié dans les milieux de travail, dans les rançonnements des justiciables. Je vois qu'ils ont dit aveu, dans des juges aveux, aveu d'avoir reçu très souvent des pots de vin. Bon, là, on fait tout le bagage ça, contre ces directeurs, qui font paquet dans un système, dans le cap fait, de manière répétée, qui ont qu'à faire dit, pour seulement contenter les gens à la caille, ils pas dans le système, là, encore. Et puis, pour continuer dans le sujet, vous allez faire vrai délinquant dans la rue, vous allez prendre un groupe, vous allez prendre un paquet de douane, comment vous l'habitude, c'est son gros spécialiste, les paquets de gens mis au paquet de bagages, c'est qu'on y a monsieur Pral, on délinque en puissance, on va l'aggraver. Donc, qui est le commissaire gouvernement? Nous devons attendre tout de suite. Comme le dossier qui est dans le CSPJ, qui c'est le sommet de la hiérarchie judiciaire, ou le CSPJ, c'est transférer le dossier ça devant le parquet des juridictions respectives, des concernés, des délinquants ça pour le poursuivre conformément à la loi. Et là, ça va pas qu'on ait pile les fonds qu'on fait parce qu'enquête là tout fait. CSPJ, tout le dossier, enquête là tout fait, c'est victime. Ça vous fait la concernant administration. De la justice, c'est aspect administratif là, sanction administrative là, mais ça, toutes ces infractions, vous voyez.
Il y a un problème qui existait dans l'environnement immédiat du palais de justice de Port-au-Prince qui logeait depuis après le 12 janvier 2010 dans le bicentenaire à Port-au-Prince. Et la zone ça, c'est pas moi qui m'a dit, c'est une zone qui tout en est tirée là-dedans, c'est une zone côté que très souvent, zone ça est impraticable, moun pas capable de marcher là-dedans. Justice a bien qu'on pas capable d'aller dans le bicentenaire alors que y a une convocation. Avocat qui peut le défendre des justiciables, il n'est pas capable d'aller en bas à tout. Magistrat eux-mêmes, ils ont senti très menacé parce que un avocat qui a venu, il a une affaire. Ils ont justiciable qui a venu, il a lui-même un problème. Mais juge là en bas chaque jour. Si ou même ou bien journaliste ou qui rapporte très souvent. Il y a des magistrats, alors pas des magistrats seulement, il y a des problèmes qui sont en bas dans l'environnement immédiat du palais de justice de Port-au-Prince, où il y a un juge après entrer en bas ou à le cacher, tellement qu'il y a des âmes tirées, où il y a tout le monde qui cherche un petit côté pour y abriter. Des fois, il y a des âmes qui tirent dans l'enceinte même du tribunal. Nous avons rappelé qu'en décembre 2019, il y a 8 qui ont été tirés dans l'entrée tribunal là même. Donc c'est une zone insécure. Et le barreau de Port-au-Prince qui logeait dans le local là, et la cour d'appel de Port-au-Prince, et le tribunal de première instance de Port-au-Prince, et le parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince, et le parquet de la cour d'appel de Port-au-Prince, ça fait au moins 5 institutions qui logeaient dans le même local là, et tout personnel ça va faire face à même problème là. Et à partir de en pile requête que ni Baroua et toute l'autre instance ont fait, CSPJ t'a décidé pour te relocaliser par la justice de Port-au-Prince graduellement. Premier ça le fait, comme juge cour d'appel plus âgé, conseil de pression yo moins capable subir, il déplacer la cour d'appel de Port-au-Prince qui présentement logé à Paco. Et c'est la force des choses qui portait CSPJ à agir de la sorte. Et c'est dans le même budget de fonctionnement que le prend pour lui capable de pour lui mettre la cour d'appel de Port-au-Prince. Mais il se trouve que le commissaire ou bien parquet de la cour d'appel de Port-au-Prince, même si on a décidé de rester en bas toujours, mais on a toujours allé siéger à Paco. Mais par contre, si c'est l'ordre de recevoir de supérieur hiérarchique, il a refusé et il a tel dossier. Et yo pa jam kapab, yo pa ko jam ka tande yo. Malheureusement, pour tribunal la fonctionnel, faut parquetier yo, faut que ministère public li présent. Et ministère public pas présent, pas ka gen audience dans sens ça. Et CSPJ très préoccupé par une situation pareille, li adresse li au plus haut niveau de l'État pour capable essayer résoudre problème là. C'est ainsi que jeudi dernier, Conseil supérieur pouvoir judiciaire qui a eu une séance de travail avec le Premier ministre Joseph Jout et le Premier ministre qui en personne dans le moment que il était gain rencontre là, il était le ministre de justice là, il essayé poser problème là avec lui et il promet CSPJ très bientôt problème ça l'a joindre une solution. Donc n'a demandé et justice a bien prendre patience. CSPJ li là pour lui prendre toute justice là fonctionnelle en particulier la cour d'appel de Port-au-Prince qui que lui décider relocaliser pour le capable rendre et cour la fonctionnelle. Cour d'appel de Port-au-Prince gagne en conséquence que c'est le paquet d'autres juridictions qui dépendent de gagne au moins 4 juridictions qui dépendent de la cour d'appel de Port-au-Prince. N'a pas rappelé c'est premièrement le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, le tribunal de première instance de Jacmel et le tribunal de première instance de Petit Gouave. Donc, dans 18 juridictions, il y a 4 qui toutes décisions, là on fait appel de décision qui dépendent de la cour d'appel de Port-au-Prince. Et là, on a parlé de l'Ouest. C'est pour comprendre que il faut affaires judiciaires, il faut traiter dans l'Ouest. Parce que le tiers de la population haïtienne, c'est dans l'Ouest que lié. Et c'est là tout qui gagne plus conflit. Et tribunal de première instance de Port-au-Prince et tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, à yo deux, yo gen plus de tiers des conflits
qui gagne dans le système de justice là. L'a ajouté Jacques Mel, l'a ajouté Petit Gouave, ça font gros lot. Et gros lot ça, l'important pour pouvoir public yo, by importance à décision CSPJ te prend pour te rendre la cour d'appel de Port-au-Prince fonctionnelle. Et donc, dans ce sens, n'a fait appel à bonne foi, n'a fait appel à bonne foi et les représentants pouvoir exécutif, là, particulièrement le ministre de la Justice, n'a fait appel à bonne foi au Premier ministre, n'a fait appel à la bonne foi du président de la République pour que ils prennent la décision nécessaire pour permettre à coup d'appel de Port-au-Prince pour lui opérationnel. Rendre opérationnel, c'est permettre que le parquetier y a le siéger. Parce que pour le tribunal là, pas infirmé, il faut qu'il y ait présence du ministère public. Nous relancer appel ça encore. Nous avons demandé à ministre de justice là, et nous croyons que les branchés là l'attendaient. Nous avons demandé à Premier ministre là, que nous saluons très cordialement parce qu'il était en position très correcte envers le CSPJ au cours de rencontres que nous avons gagnées jeudi dernier. Et jeudi a fait environ 9 jours. Nous demandons pour mettre célérité dans l'urgence afin que le cours d'appel de Port-au-Prince soit capable de retourner opérationnel pour être capable de siéger normalement et rendre justice à qui justice est due. Dans la semaine, 25 magistrats certifiés et 19 autres qui pas certifiés. Magistrats et escrocs. Donc, la quatrième démarche, c'est une liste. Publication liste de 25 magistrats qui concernés par le processus de la certification, les faites en vertu de l'article 69 de la loi du 29 novembre 2007 portant statut de la magistrature. Article 69, là, il dit très clairement que juge et cour de cassation, cour d'appel, tribunal première instance, tribunal spécial avec tribunal de paix, ainsi que les représentants du ministère public, y auraient été dans le poste jusqu'à ce qu'ils soient certifiés. Et les fins certifiés, il faut que j'ai un avis favorable de CSPJ pour être capable de rester dans le système. Non. Donc, CSPJ, dans le cadre du processus de certification, ça que la loi Bali, et à l'article 70, il crée une commission de certification qui vient représentant ministère de la justice d'une part et représentant conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'autre part. C'est commission ça qui travaille et qui baille et rapport li. Et c'est en fonction des rapports li que conseil là prend décision pour lui publier la liste des magistrats certifiés et la liste des magistrats non certifiés. Dans la liste magistrat, c'est une liste de 44 noms, 44 magistrats, assis et debout. Magistrat assis, c'est les juges. Et magistrat debout, c'est les commissaires du gouvernement et leurs substituts. C'est une liste de 44 magistrats, dont 25 sont certifiés et 19 sont non certifiés. À partir de cette liste de 44 magistrats, il y a 125 magistrats qui étaient passés dans le processus de certification. Et 125 magistrats sont qui passent dans le processus de certification. Les femmes qui pensent que le pays leur appartient. Mais je dois vous dire, Monsieur le Président, je vous ai écouté avec attention. Je compte sur vous comme président de ce comité. Je compte sur le comité et c'est pour ça que ce comité est un comité indépendant. Autonome. Je suis en train de donner, en fait, cet après-midi une charge, je dirais extrêmement lourde, mais je sais que vous allez pouvoir porter ce lourd fardeau. Haïtien Frem, Haïtien Semio, Captain Dem, dans quatre coins de l'IA, dans la diaspora. Jeudi 30 octobre, ça, je prends une décision pour m'installer comité consultatif indépendant capable de travailler sous projet de nouveau moment loi pays.
J'aime dit nous dans le discours vendredi passé, les affaires constitution concernaient tout le monde. Quitte la vivre dans le pays, quitte la vivre l'autre bord de l'eau, ça veut dire dans la diaspora. Quitte la vivre l'autre bord frontière, ça veut dire tout dans la diaspora. Les affaires constitution concernaient surtout équilibre nation, souveraineté pays. Qui donc, monde qui est bien placé pour qu'on si oui ou non, constitution doit changer et qui doit prendre décision pour le changer, c'est le peuple souverain. Personne. Encore pas qu'à prendre grosse décision ça. C'est peuple là. Depuis plusieurs mois et jusqu'à la semaine qui se passe, moi après je vois un pile délégation, organisation politique, organisation dans la société civile, organisation socio-professionnelle, organisation religieuse, pétition qui sortit dans la diaspora. Tout le monde sait a demandé un seul bagage. A chanté un seul refrain, yon l'autre constitution pour le pays. Dans la radio, tant qu'on a la télévision, l'idée d'opinion a brassé l'idée sous question changement constitution. Dans le salon, dans le calfou, tant qu'on sur les réseaux sociaux, c'est une seule parole qui a parlé. Nouveau constitution pour pays. En pile symposium avec forum organisé tout partout sous question changer constitution. Conclusion, tout symposium avec forum ça recommandé pour pays à gagner l'autre maman loi. À tout le monde dans la classe politique là, m'balé, reconnaître nécessité pour maman loi pays a changé. Même communauté internationale là, en pile là yo, et en pile l'autre monde qui a une bonne volonté, fait même constat et yo pas décidé faire même bouche yo. Parmi moun sa yo, ou jwenn moun takou Maître Dorval, mon ferrier, qui était un gros défenseur, l'idée pour changer la constitution. Et c'est pour ça que je profite de l'occasion ça, pour demander aux autorités de la justice avec la police, un petit gens marcher plus vite, un petit gens travaillent plus vite, parce que je connais que tout ça qui m'a demandé comme moyen qui pour permettre de travailler ça en fait. Premier ministre l'a informé que l'il fait. Pour que la vérité blaye, sous qui Jean, M. Dorval, pas avec nous aujourd'hui. Parce que M. Sildela, il est dans le comité ça aujourd'hui. C'est pour nous prendre courage. Chaque monde qui a un rôle pareil pour jouer. Non, vérité qui pour blahi dans l'assassinat, M. Dorval, je ne voulais pas parler de hauteur direct, hauteur intellectuel. Il faut tout le monde venir devant la justice pour les peuples haïtiens qui connaissent qui est-ce et pour qui ça. Pour tous les garçons, ça, pas avec nous aujourd'hui. Depuis plus de 10 ans, en pile commission, en pile comité, l'un après l'autre a demandé de changer la constitution. Commission spéciale sur l'amendement constitution a été produit déjà en pile réflexion. Ça vient de 10 ans. État général sectoriel nation a fait un bel travail. Après plusieurs rencontres avec forum, il a fait dans plusieurs départements dans le pays et dans la diaspora.
Office protection citoyen, bon côté parle, te fait ouais clair, nécessité pour constitution à changer, dans le forum qui était organisé. D'ailleurs, M. Doval est intervenu dans le forum. Ça. Qui donc, lorsque chef d'État, majorité a parlé sur un sujet qui intéressait et qui est si important, ou pas gagner deux bagages pour faire. C'est offrir majorité peuple à occasion pour décider qui mode l'État qu'il veut. Quitter le peuple à décider qui mode gouvernance qu'il veut et qui régime politique qu'il veut pour le pays. Je dis à la question du changement de constitution, ça, il dépasse comme président. Parce que la majorité de la population, il décide pour le prendre destin en charge. Il décide pour le prendre avenir en main. Il demande une constitution qui cadre à Kiltili, à Messli, à Jean comprendre l'autorité pays. Une constitution qui m'a connu à Racine. Constitution sa peuple a voulu, li doit simple, li doit clair contre le coq, li doit ka appliquer facilement, sans pas mettre à côté gros progrès dans le respect de la moun, dans le respect yon yon pour l'autre, dans le respect liberté, nous te gagnons déjà yo, tant que liberté la parole et la triée. Constitution ça doit équilibrer trois pouvoirs l'État yo, sans yon pas faire collision avec l'autre, sans yon pas marcher sous pied l'autre. Constitution ça doit être inclusif. Ou pas qu'à gagner un moment loi yon pays qui choisit mettre un groupe moun dehors dans affaires politiques pays. Parce que depuis qu'il y a élection, depuis qu'il y a exclusion, a toujours une instabilité. Et depuis qu'il y a instabilité, le pays est ingouvernable. Pas qu'il y a une croissance économique, pas qu'il y a un emploi, pas qu'il y a une création de richesse. Peuple haïtien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça fait changement de constitution. Son bagage qui t'a trop lourd pour me d'apporter pour comment. Moi, je connais ma besoin de peuple. Moi, je connais, moi, t'as besoin de monde qui sage. Monde qui est sage, parce que. Monde qui a plus d'esprit. Expérience passée. Moun qui a un pile courage pour aider m'botel. Moun qui est honnête. Moun société a pas rien pour reprocher. Moun sa yo a pote compétence yo. Honnêteté yo. Intégrité yo. Courage yo. Neutralité yo. Sagesse yo. Humilité yo. Ça y est comme moun, ça y est comme symbole pour venir des pays à sortir dans un pas difficile que lié aujourd'hui. Dans mon ça y a un ancien président, ancien général, l'armée, professeur université, avocat. Il n'est pas facile, et faut me dire, non, il n'est pas facile du tout. Pour nous jouer un monde qui a courage. Même j'aime songer le. Nous avons monté le conseil électoral là. Il n'est pas facile.
Et faut dire tout haïtien, tout haïtienne qui a regardé, qui a prendre là, si pour nous changer pays, il faut bien monde qui prend courage à deux mains pour être capable pour te chailler là. Parce que nous pas un pays de rechange, faut que c'est nous-mêmes qui pour mettre tête nous ensemble pour nous prendre courage nous à deux mains pour nous changer. Parce que côté mieux aujourd'hui, m'a dit nous il y a possibilité pour le changer. Si moi je vois mon yo, Jean ça a commencé fait là dans les affaires constitution ça après-midi. Je voulais profiter pour me dire au champ pour moun sa yo, pour courage yo, pour engagement avec volonté yo. Nous ne pouvons pas payer pour service pour la nation. Plusieurs d'entre eux ont déjà servi la nation, déjà, dans le pire au niveau de l'État. Tout pays a un bon souvenir de passer dans la tête de l'État. Moi-même, personnellement, j'étais jeune. J'étais très jeune. Moi, je songeais tant qu'aujourd'hui, après 3 jours, le général Abraham était fait président. Là, il était salué. Madame Etta Pascal Douillot, elle te dit, Madame le Président, les forces armées d'Haïti sont à vous autres. Félicitations, général. Je dis encore compliment pour 5 membres du comité consultatif indépendant. Ça. Nation n'a pas jamais oublié nous. Nation n'a pas jamais oublié ça. Génération en génération, petite nous a toujours songé sacrifice nous fait pour pays à sortir dans instabilité, dans chien manger chien, dans trou corruption, dans exclusion, dans la boue division. Ça, que la Constitution 87 la mette nous. Sorti dans la date 29 mars 1987, arrivé aujourd'hui. Hein? Moi-même qui campe cap là, moi j'étais le 7e président du pays. Hein? Pourtant, semblait 18e pour me 19e président. Pour seulement 33 ans. Et même constitution, ça a dit. C'est chaque 5 ans pour mon président. Font petit calcul. Divisé 33. Par 5. Là, pour facilement comme président, qui te doit gagner déjà. Ça veut dire que je suis supposé 7e président de pays. Qui donc? Il y a un bagage qui va marcher. Pour qui ça toute président ça y est? Pour qui ça toute transition ça y est? Pour qui ça toute stabilité ça yo? Pour qui ça toute marchandage ça yo? Pour chaque décision président à prendre. Pour qui ça toute tracasse ça? Les gens premier ministre qui doit nommer notre tête gouvernement. Pour qui ça? Pays a pas jamais un conseil électoral permanent. Côté conseil constitutionnel là. Pour qui ça tout chantage ça yo, les juges pour cassation à coup de compte renommé? Pour qui ça constitution mette diaspora yo dehors dans les affaires politiques pays? Pour qui ça? Pour qui ça moun honnête et intègre qui t'a servi pays a pas qu'à jouer une décharge? Pour qui ça? Les pouvoirs votés dans le Parlement, il y a tout problème ça. Pour qui ça, président, il y a toute difficulté ça pour le nommer ambassadeur dans le pays étranger, alors que c'est lui qui est chef de diplomatie.
pour qui ça tout est rien ça yo entre parlementaire et magistrat yo pour qui ça d'être chargé ça yo entre sénateur et député parfois dans le département yo ça yo c'est quelques questions nous poser dans une liste bien longue qui chargé un paquet avec une bonne autre question qui mérite poser. Moi pense que fòk question ça a posé et comité consultatif indépendant qui a travail sur projet de nouvelle constitution pour aller chercher en pile l'autre expert dans le domaine différent pour aider à écrire un document qui a bien toute réponse à la question ça. Moi voulais rappeler nous mandat comité consultatif ça rien. Il y a pour mandat pour aller chercher expert mettez avec lui pour écrire un projet constitution qui mais ça clair parce que on va l'entendre président mettez monde pour écrire constitution. Mandat comité a il clair. Il va aller chercher expert pour aider dans le travail rédaction projet constitution ça. Mais un projet qui doit conserver tout ça nous te gagner comme acquis démocratique à tout ça peuple a rêvé comme développement durable. Un projet qui doit garantir solennellement droit fondal natal moun et fol di clair droit à devoir chaque citoyen. Yon projet qui doit renforcer tout outil état de droit yo. Yon projet qui dit clair qui mode régime politique ka pi bon pou peyi a. Yon projet qui va l'équilibrer pouvoir l'état yo dans organisation yo ak non fonctionnement yo. Il y a un projet qui va consolider le caractère démocratique et républicain de l'État. Ça veut dire, les gens qui veulent diriger le pays doivent sortir dans l'élection. Il y a un projet qui va créer harmonie dans le travail de la collectivité sans ne pas marcher sous pied l'autre. Il y a un projet qui va respecter qu'il dit nous, et puis tout, considérer l'évolution politique, économique et sociale du pays. Qui donc, mandat comité consultatif indépendant a gros nègre en pile. Il y a besoin si pour l'État, si pour le peuple, pour y réussir dans la mission. Haïtien, haïtienne. Moi, comme je te dis déjà, mais chaque temps que j'ai l'occasion, je me dis le plus fort pour le monde entier. Moi, je ne demande pas changement de constitution pour me venir jouer aucun avantage. Moi, pas candidat dans l'élection qui vient là. Moi, prends engagement solennel pour m'organiser l'élection libre, honnête, démocratique, inclusif et transparent pour toute parti politique qui doit voir le candidat participer dans l'élection. Moi, je n'ai pas pour m'influencer ni conseil électoral, ni comité consultatif indépendant dans le travail que je fais. La volonté PAM, c'est pour payer à un moment loi qui permet le pays à gouvernable, qui favorise l'unité, l'inclusion, l'union entre tous les haïtiens. Il y a un moment loi qui peut mettre le pays à sous route progrès et développement économique et social. Il y a un moment loi qui peut mettre le pays à sous route changement tout bon vrai. Il y a un moment loi qui peut mettre fin dans le marchandage politique. Voilà.
merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.